Extraction et séparation des espèces chimiques pour les troncs communs. Introduction. La plupart des corps naturels sont des mélanges de substances chimiques. Dans certains cas, le besoin se limite à une seule substance chimique et on se trouve dans l'obligation de la séparer. En industrie, généralement, le produit d'une synthèse est un mélange de substances chimiques et on est obligé de séparer les substances chimiques pour obtenir un produit pur. Un, les espèces chimiques naturelles et de synthèse. Activité 1. Les fruits se caractérisent par leur goût sucré. Quelle espèce chimique X leur donne ce caractère? Le sucre des fruits et le glucose. Rappelle le test pour la mise en évidence de cette substance X. Pour mettre en évidence le glucose, on utilise la liqueur bleue de Philine, qui prend une couleur rouge brique en présence de glucose après chauffage. Est-ce que le sucre X est celui utilisé dans nos cuisines pour sucrer nos aliments? En général, dans nos cuisines, on utilise le saccharose. Quelle est l'origine de la substance sucrante utilisée dans nos cuisines? Le saccharose est originaire de la betterave ou la canne à sucre. C'est le mode utilisé pour produire cette substance sucrante. Le saccharose est extrait industriellement. Donc, il y a des usines qui ont pour fonction l'extraction de la saccharose à partir de la betterave ou de la canne à sucre. Résultat. Le sucre utilisé dans nos cuisines est extrait de la betterave et de la canne à sucre. Donc, qu'est-ce que l'extraction? 1. Définition de l'extraction. Les espèces chimiques naturelles ne se trouvent pas à l'état pur dans la nature. Elles font partie de mélanges homogènes ou hétérogènes constitués de différentes espèces chimiques. On appelle l'extraction le mode opératoire qui permet de séparer une espèce chimique d'un mélange. Les modes d'extraction diffèrent et nous allons faire connaissance avec quelques-uns d'entre eux à travers cette leçon. Extraction par un solvant, cas d'un solide. Expérience, on broie des feuilles d'une plante et on ajoute un solvant incolore. Après une heure, on filtre le mélange.
Observation, le filtrant est une solution de couleur verte. Extraction solide liquide. Écoute, parle maintenant de l'extraction solide liquide. Elle consiste à extraire une substance solide à partir d'un solvant liquide. Donc, elle peut être faite à froid, c'est ce qu'on appelle une macération. On va laisser macérer, vous avez déjà entendu le terme. Ou on va le faire à chaud, on va faire ce qu'on appelle une infusion. Bah, une infusion, c'est lorsque vous faites votre thé, votre tisane. Vous allez laisser infuser à chaud vos feuilles de thé dans de l'eau et vous allez avoir la substance chimique que vous allez extraire de vos feuilles de thé qui va se dissoudre dans le solvant qui est là. Donc, première phase, ici, on va par exemple broyer des plantes dans un mortier et on va les mettre dans notre solvant. Le solvant va être imprégné de l'espèce chimique progressivement. Et ici, on va simplement le passer dans un papier filtre. On va faire une technique de séparation. Donc ici, c'est l'extraction et on va faire la filtration, qui est la technique de séparation. Donc, le solide restera dans le filtre et dans le pêcher, on va récupérer ce que l'on appelle le filtre. C'est exactement la même chose pour votre café. On peut faire ce qu'on appelle une filtration Büchner. On le fera en TP, c'est-à-dire une filtration beaucoup plus intense, qu'on appelle à vide, avec l'aide d'une pompe à vide. On le développera en TP. Activité 2. Qu'est-ce qu'une macération? Macération, on ajoute un solvant froid à un solide et on laisse le tout un certain temps pour que le solide libère certaines substances chimiques. Donc, des substances chimiques passent des solides vers le solvant. Quelle est la différence entre une macération et une infusion? Infusion, c'est la même chose qu'une macération, mais là, le solvant est pris chaud. Par exemple, la préparation du thé. On ajoute de l'eau chaude sur le thé et ça nous donne une solution de thé. Interprète la couleur prise par le filtre. La couleur des filtres indique qu'une substance chimique a migré des solides vers le solvant. 4. Quel est le rôle des solvants? Le solvant sépare des substances chimiques. Cinq, définir le solvant. Un solvant est tout liquide apte à séparer une substance chimique d'un mélange de substances chimiques. Donc son rôle, c'est extraire une substance d'un mélange. 6. Peut-on utiliser n'importe quel solvant? Justifie. Un solvant est tout liquide apte à séparer une substance chimique d'un mélange de substances. Donc, on ne peut pas. On doit choisir le solvant. L'eau, par exemple, ne dissout pas toutes les substances chimiques. Donc, le solvant est spécifique à une substance donnée. Donc, ou à chaque substance correspond à un certain solvant. Par exemple, l'eau ne dissout pas la peinture, mais l'acétone le fait. Donc, l'acétone est convenable
pour la peinture, mais l'eau ne l'est pas. Qu'est-ce qu'une filtration Büchner? Une filtration Büchner est une filtration plus intense, durant laquelle on utilise une pompe à vide. Le solvant est une espèce chimique apte à se mixer à une autre espèce chimique pour former un mélange homogène qu'on appelle solution. L'extraction d'une espèce chimique X par un solvant consiste à trouver un solvant capable de dissoudre la substance X pour former une solution. La filtration est une technique qui permet la séparation solide-liquide, mélange hétérogène. B. Cas d'un liquide. Quelles caractéristiques de l'eau et du cyclohexane? Donc, le cyclohexane a pour formule C6H12, densité 0,78, point de fusion 6 degrés, donc point de fusion c'est le passage de l'état solide à l'état liquide et se fait à 0 degré, point d'ébullition, c'est-à-dire passage liquide-vapeur, se fait à 80,7 degrés. Pour l'eau, formule H2O, densité 1, point de fusion 0 degré, point d'ébullition 100 degrés. Expérience. Dans une ampoule à décanter, on verse une solution aqueuse de biote. Donc la solution, dans ce cas, est jaune ou brune. On ajoute un peu de cyclohexane incolore. Et on agite l'ampoule. On laisse reposer le mélange. Observation. Formation de deux phases. L'ampoule à décanter est l'instrument de verrerie qui permet d'effectuer une extraction liquide-liquide, c'est-à-dire la technique qui permet de faire passer une espèce chimique d'un solvant dans un autre solvant. C'est un instrument relativement cher et on va donc voir comment la manipuler avec précaution. Elle est composée d'une ampoule dans laquelle va s'effectuer le mélange des deux solvants, d'un robinet par lequel on va pouvoir faire passer les solvants et d'un bouchon grâce auquel on va pouvoir ouvrir ou fermer l'ampoule. Attention, pendant toute la manipulation, on veillera à toujours avoir un bécher en dessous de l'ampoule. La première étape consiste à introduire le premier solvant, celui qui contient l'espèce à extraire, dans l'ampoule à décanter. Ici, le solvant qui est utilisé, c'est l'eau. On va donc appeler le milieu qui est associé à ce solvant le milieu aqueux. La deuxième étape consiste à introduire le deuxième solvant, celui qui va extraire l'espèce, dans l'ampoule à décanter. Le nom de ce solvant est le solvant extracteur. Ici, il s'agit d'un solvant organique et on appellera donc le milieu associé le milieu organique. Une fois les deux solvants introduits dans l'ampoule, on va avec le bouchon venir fermer l'ampoule, la retirer délicatement de son support, la tenir à deux mains tout en faisant attention à bien avoir des doigts sur le bouchon pour pas que celui-ci s'en aille, et venir agiter vigoureusement l'ampoule pour mélanger les deux solvants. Ce geste-là, c'est ce qu'on appelle le dégazage. Il consiste à ouvrir puis refermer le robinet afin de laisser s'échapper les gaz qui ont été créés pendant la réaction chimique. Ce geste doit évidemment être effectué dans une direction où il n'y a personne,
de préférence vers un mur ou une fenêtre, et le robinet de l'ampoule dirigé vers le haut. Après avoir effectué cette opération deux ou trois fois, on vient reposer délicatement l'ampoule sur son support. L'étape suivante, c'est l'étape de la séparation qui repose sur le principe de la décantation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle l'instrument une ampoule à décanter. On sait que les deux solvants qui sont utilisés lors d'une extraction liquide doivent être non miscibles. Ils vont donc se séparer. Le plus dense des deux va se retrouver au fond de l'ampoule et le moins dense des deux va se retrouver au-dessus du premier solvant. On va donc, grâce au robinet, pouvoir les récupérer dans des béchères différentes. La dernière étape consiste à récupérer chacune des deux phases dans deux béchères différentes. On n'oublie pas, avant d'ouvrir le robinet, de retirer le bouchon, car sinon, quand on ouvre le robinet, rien ne se passe. La phase aqueuse, qui est la plus dense des deux, est récupérée en premier dans un bécher. On récupère ensuite la phase organique dans un autre bécher. Ici d'ailleurs, on peut remarquer que la phase organique est devenue violette, alors qu'au début, elle était incolore. C'est le signe que l'on a bien récupéré l'espèce à extraire qui était présente dans la phase aqueuse, qui est maintenant dans la phase organique. Une fois que chacune des deux phases se trouve dans deux béchères différents, l'extraction liquide est terminée. Activité 3. Quelles sont les conditions d'une ampoule à décanter? L'ampoule à décanter se compose d'une ampoule, un bouchon et un robinet. Question 2. Quelle est la condition principale d'une phase aqueuse? La constitution principale de la phase aqueuse est l'eau. Où se positionne la phase organique par rapport à la phase aqueuse? Pourquoi? La phase organique se trouve au-dessus de la phase aqueuse. La phase aqueuse est plus dense que la phase organique. Donc, c'est une question de densité. La phase organique a une densité inférieure à 1. Question 4. Qu'entend-on par le terme dégazé? Dégazé. Des gaz apparaissent lors de l'agitation et on les libère. Question 5. Pourquoi agitons l'ampoule à décanter? On agite l'ampoule à décanter pour mélanger les solvants qui sont non miscibles. C'est comme l'eau et l'huile, donc ils sont non miscibles, donc ils ne se mélangent pas, mais si on agite, ils se mélangent pendant un certain temps avant de se séparer une fois de plus. Question 6. Quelles caractéristiques principales doivent avoir les deux solvants pour réussir une décantation? La caractéristique principale que doivent avoir les deux solvants est la non-miscibilité. Donc, ils doivent être non-miscibles, ne se mélangent pas. Question 7. Quelles sont les couleurs des deux phases au départ de l'expérience? Phase aqueuse brune et phase organique incolore. Question 8. Qu'indique la couleur prise par la phase organique en fin d'expérience?
La couleur prise par la phase organique en fin d'expérience indique qu'une substance chimique a migré de la phase aqueuse vers la phase organique. Donc là, je rappelle comment travailler avec une activité. Donc, au départ, vous arrêtez la vidéo sur les questions de l'activité. Vous essayez de répondre aux questions et après, vous passez aux solutions. Résultat, la solubilité d'une espèce chimique diffère d'un solvant à un autre. Donc, on a vu que le diode est soluble dans l'eau et dans le cyclohexane, utilisé comme solvant organique. Donc, la solubilité diffère. Une substance miscible dans deux solvants migre vers le solvant où elle est plus soluble. Donc, le diode est plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau. Donc, lorsqu'on a mélangé les deux solvants, le diode est passé de l'eau vers le cyclohexane. Pour séparer une substance chimique d'un solvant par un autre solvant, les deux solvants doivent être non miscibles. Donc, c'est une question. Donc, il faut que les deux solvants soient non miscibles. Trois, la distillation. Donc, à la fin de l'expérience précédente, on n'a pas séparé le diode. Donc, on a obtenu une solution diode avec le cyclohexane. Donc, on n'a pas encore séparé le diode. Que faudra-t-il faire pour finir l'extraction du diode? Soit celui qui assure la sortie de l'eau froide dans l'évier. On place
prendre en fonction et on chauffe le mélange jusqu'à ce que le point d'ébullition d'une des substances soit atteint. Au moment où l'une des substances commence à se vaporiser, on note la température et on continue le chauffage tant et aussi longtemps que celle-ci demeure stable. Tel que mentionné précédemment, on remarque qu'une substance de notre mélange se vaporise lors du chauffage. Dès que celle-ci entre dans le tube réfrigérant, l'eau froide qui circule autour va refroidir le gaz lors de son passage, ce qui le fera condenser. Le distillat ainsi formé va s'écouler dans le déchet à la sortie du tube réfrigérant. Dès que la température commence à augmenter, on cesse immédiatement le chauffage du mélange afin d'empêcher que les autres substances ne se vaporisent à leur tour. Nous avons donc réussi à séparer l'un des constituants de notre échantillon de liqueur, soit l'eau qu'il contenait. Le résidu, quant à lui, est composé des autres substances que l'on retrouve dans la liqueur, soit de sucre, de colorant, de caféine et plusieurs autres. La technique que j'ai utilisée aujourd'hui est l'une des méthodes les plus optimales pour effectuer une distillation. Toutefois, il faut savoir qu'il est possible d'utiliser du matériel plus simple pour arriver à des résultats semblables. Si tu as d'autres questions sur la séparation des mélanges, n'hésite pas à consulter notre site Internet ou à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Qui permet de séparer les constituants de... Expérience. On chauffe un mélange de cyclohexane et de diode. Observation. Dans l'éprouvette, on recueille un liquide incolore, elle se forme un dépôt brun au fond du ballon. Activité 4. Pourquoi utilise-t-on un réfrigérant? Donc là, vous arrêtez la vidéo pour répondre aux questions. On utilise le réfrigérant pour condenser les vapeurs montantes. Pourquoi l'eau entre par le bas des réfrigérants? Pour remplir le tube externe des réfrigérants avec l'eau froide. Question 3. De quoi est constitué le distillat liquide recueilli? Le distillat est constitué de cyclohexane. Quelle est la nature du dépôt au fond des ballons? Le dépôt est constitué principalement de diode. Question 5. Quel est le but de cette distillation? Le but de cette distillation est de séparer le diode des cyclohexanes. Question 6. Sur quelle grandeur physique se base-t-on dans une telle séparation? On s'est basé sur la différence de température d'ébullition. Question 7. Peut-on utiliser une telle méthode pour séparer deux liquides non miscibles? Ou plutôt miscibles, les liquides miscibles, par exemple l'eau et l'éther, l'eau et l'alcool, etc. Donc elles forment une solution, donc elles sont miscibles, donc peut-on séparer deux liquides miscibles? Oui, on peut utiliser une telle méthode pour séparer deux liquides miscibles à condition que leur température d'ébullition soit différente. Par exemple, l'eau s'évapore à 100 degrés et l'alcool dans les environs de 78 degrés. Donc, on peut séparer l'alcool de l'eau. C'est l'alcool qui va s'évaporer en premier, donc on va recueillir comme distillat l'alcool et l'eau restera dans le ballon.
Donc, pour séparer des substances constituant une solution composée d'un solide liquide ou solide et d'un solvant, on pratique une distillation. Le principe d'une distillation est basé sur la différence de température d'ébullition des substances à séparer. Donc la première séparation avec un solvant s'est basée sur la différence de solubilité. Là, cette technique se base sur la différence de température d'ébullition. Trois. Identification. 1. Analyse chromatographique. Pour faire une analyse chromatographique, on a besoin d'une cuve d'analyse chromatographique, donc tout simplement un bol, une plaque d'analyse chromatographique, ou si on ne trouve pas, on utilise des papiers filtres. Un éliant solvant des substances à analyser. Mode opératoire. On verse un peu de solvant dans le bol et on le ferme. On trace sur le papier un trait à environ 1,5 cm de la surface du solvant, ligne de dépôt. Sur la ligne de dépôt, on met une goutte de la substance à analyser et des gouttes de substance témoin. On verra ça plus tard. On introduit le papier. On introduit le papier dans le bol de sorte que la ligne de dépôt soit à 0,5 cm au-dessus de la ligne de dépôt et on ferme la cuve. Donc, on a une matière à analyser, c'est la matière rouge. On trace la ligne de dépôt. Et on met une goutte de la substance à analyser. Donc, on a des hypothèses sur les constituants de la matière à analyser. Donc, on va prendre des substances témoins. Donc, ce sont les substances qu'on suppose qu'ils se trouvent dans la matière à analyser. Donc, on va déposer des gouttes de ces substances qu'on appelle substances témoins et on plonge le papier dans le solvant, on ferme le bocal. Et on verra quelque chose de similaire. Donc là, on a préparé le papier à l'extérieur. Donc on le met dans le bol et on ferme le bol et on verra. On verra ça. Donc, le trait indique le niveau de déplacement du solvant, ce qu'on appelle aussi front de l'éliant. Trois séparations et identifications. Activité 5. Que signifie l'apparition de taches jaunes et vertes au-dessus de la tache à analyser? Donc, on a vu les taches au-dessus de la tache à analyser. La matière à analyser est un mélange homogène contenant les deux substances, la jaune et la bleue. Question 2. Que signifie la non-apparition de la tache bleue au-dessus de la tache à analyser? Donc on n'a pas vu de tache bleue.
La matière à analyser ne contient pas cette substance, la bleue. Elle ne contient pas la substance bleue. La matière à analyser contient uniquement la substance, les autres substances, et ne contient pas la substance bleue. Quelle est la nature de la chromatographie d'après ces résultats? L'analyse chromatographique permet de séparer les substances que renferme un mélange homogène. Donc on revoit. Donc au départ, les substances étaient tout mélangées dans la tache rouge. Et l'analyse chromatographique a permis de séparer la substance jaune et la substance verte. Donc la chromatographie permet la séparation des substances chimiques. Que signifie la différence des hauteurs des taches et de l'union et la similitude des hauteurs des taches de même nature en fin de l'expérience? Donc les taches ne sont pas montées avec la même hauteur. Donc la plus grande hauteur, c'est celle correspondant à la tache jaune. Alors que l'ion a parcouru une distance plus grande que toutes les taches. Donc, que signifie cette différence de hauteur? Les substances n'ont pas la même vitesse de montée dans les plaques d'analyse. Question 5. Quel autre intérêt dans la chromatographie d'après ce résultat? 5. Les substances de même nature ont la même vitesse de montée dans la plaque d'analyse. 6. Propose une approche qui permettra d'identifier les substances contenues dans une matière en cas d'absence de substances témoins. Donc, on revient aux substances témoins, c'est qu'on avait supposé qu'ils sont dans la substance à analyser. Donc, on a posé des substances témoins. Par exemple, la bleue ne se trouve pas dans la substance à analyser, mais on a supposé qu'elle s'y trouve. Donc, dans le cas, on ne peut pas faire d'hypothèse. Comment faire pour identifier les substances à analyser? On peut identifier les substances par leur hauteur de montée par rapport à celle de l'union. Donc, on a vu que chaque substance a une hauteur de montée différente, donc on peut identifier les substances chimiques en fonction de la hauteur de leur montée par rapport à la hauteur de la montée du solvant. Résultat. La chromatographie est une méthode de séparation des substances chimiques basée sur l'existence de canaux capillaires dans les plaques d'analyse. Donc, je n'ai pas expliqué cela, mais qui permet la montée, c'est qu'il y a des canaux dans le papier. Et c'est une différence, c'est la différence de solubilité des substances qui impose les hauteurs. Les substances chimiques n'ont pas les mêmes vitesses de montée dans les canaux des plaques d'analyse, n'ont pas la même solubilité dans l'ion. Donc c'est celui qui est le plus soluble qui va monter en premier. Après, elle sera suivie par les autres. On peut identifier une substance chimique par sa hauteur de montée par rapport à celle de l'union. Définition. Le rapport frontal RF est une grandeur qui permet la mise en évidence de la nature d'une substance chimique X.
et il est exprimé par la formule RFX, rapport frontal de X est égal à HX sur H, avec H minuscule X représente la hauteur parcourue par la substance, H majuscule la hauteur parcourue par l'ulion. Donc pourquoi on ne se contente pas uniquement de la hauteur? Parce qu'une substance chimique X peut être soluble dans plusieurs solvants. Et la hauteur et la solubilité, on l'a vu, diffèrent d'un solvant à un autre. Donc la hauteur sera différente selon la nature des solvants. Donc c'est pour ça qu'on prend le rapport et pas uniquement la hauteur Hx. Donc le rapport frontal définit la nature de la substance. À chaque rapport frontal correspond une substance chimique donnée. Donc on trouve des tableaux qui donnent ces rapports frontaux. Donc il suffit, lors de l'expérience, il suffit de mesurer ce rapport frontal pour identifier la nature de la substance X. Révélation d'un chromatogramme. Donc le chromatogramme, c'est le résultat, c'est le papier en fin d'expérience. Donc certaines substances chimiques sont incolores et par conséquent, elles n'apparaissent pas sur le chromatogramme. Donc, par exemple, l'eau, l'alcool, etc. sont des substances incolores, donc on ne peut pas les voir sur un chromatogramme. Donc que faire dans ce cas? Pour les mettre en évidence, on les révèle par plusieurs méthodes. Parmi elles, on note. On plonge le chromatogramme dans une solution colorée, par exemple de permanganate de potassium ou de diode. On peut aussi éclairer le chromatogramme par des rayons ultraviolets. Donc là, cette expérience doit se faire dans le noir pour révéler les taches. L'essentiel. Le but d'une extraction, c'est la séparation d'une espèce chimique faisant partie d'un mélange homogène ou hétérogène. L'extraction par un solvant se base sur la différence de solubilité d'une substance dans deux solvants différents. La distillation se base sur la différence de température et d'ébullition des substances constituant un solide liquide homogène. La chromatographie se base sur la solubilité des substances chimiques dans l'ulion. Donc, fin de cours, les exercices sont sur une autre vidéo.